N'a pas ouvrité l'espoir à l'actualité sous plan local. Tennis roman haïtiano-japonaise Naomi Osaka entrée dans le pays à journée mardi 6 novembre 2018 là pour une visite officielle divers membres gouvernement république là, tant que ministre jeunesse sport à l'action civique là Edwin Charles, ministre affaires étrangères là Edmond Boschit, ministre culture et communication Jean-Michel Lapin, chargé d'affaires du Japon en Haïti à Yoshiaki Alta avec magistrat Tabala Nissimon, t'es accueilli lauréate US Open 2018 là, champion US Open là, a gagné pour visiter divers côtés dans pays là, l'a gagné pour rencontrer avec président République là Jovenel Moïse, premier ministre là Jean-Henri Seyan, communauté japonaise en Haïti là, et l'a trié l'a quitté pays là journée samedi 18 novembre 2018 là. Collaborateur nous Pierre Miguel Pierre Gilles t'a enregistré réaction ministre jeunesse sport action civique là Edwin Charles qui dans occasion t'a encouragé Naomi et félicité lui pour victoire li remporté surtout dans US Open nan, récemment face à américaine Serena Williams. Il t'a profité parler de Naomi qui a fait visite ça dans pays là. Nous invité au suivre. C'est une sorte de coalition des ministres là je dis, nous étions 4 ou 5 qui étaient là justement pour nous devine accueillir lui, pour nous devine apprécier lui, féliciter lui et encourager famille en tout, surtout papa lui qui depuis le petit monde, depuis le tout petit qui te prend responsabilité en tant que papa. Nous pensons qu'il était bon d'abord pour nous féliciter lui et féliciter famille en tout, maman, papa lui. Visite ça veut dire que ça vous la vision paquet bagage ça permet que jeune yo tout jeune nous yo capable ouais Naomi Osaka qui sont jeune fille qui bourrée de talent, OK, donc son valet pur lié, donc ça permet que jeune yo pour yo pas décourager demain si nous gagner pour nous aller parce que nous gagner un agenda qui est vraiment riche parce que demain si nous dans CEOH là il va ton paquet jeune justement pour le faire un petit jouer basse, jouer tennis pendant quelques minutes pour faire une simple démonstration. Ça permet que jeunes Cité Soleil, jeunes qui zone Canaan, ça permet que gon certaine cohésion pour ouais et Naomi Osaka. Ministre haïtien qui vive à l'étranger, Maranatha Irène Ternier fait éloge Naomi Osaka qui fait fierté pays. Il fait connaître présence Naomi à pas inciter jeunes à faire plus d'efforts dans la vie. Moi, c'est avant tout ministre des Haïtiens vivant à l'étranger. C'est-à-dire que tout Haïtien, quel que soit côté que vous trouvez sous planète là, ministère des Haïtiens vivant à l'étranger concerné. Deuxièmement, Naomi, c'est un jeune qui fait des exploits. Donc, c'est un espoir pour jeunesse haïtienne pour dire que vous même tout. Mais qui bon que vous arrivez, là, vous mettez travail, là, vous mettez cœur dans ce que vous remettez, dans ce que vous avez fait. Donc, je pense que c'est un modèle pour jeunesse haïtienne. Nan. Donc, je pense que c'était normal que nous sommes nous t'ai préparé visite là que mais nous t'ai là pour nous t'ai accueillir pour nous t'ai recevoir li en tant que haïtien parce que il y a 100 haïtiens dans venir parce que papa c'est haïtien. Ministre, sans doute ou accueilli Naomi Osaka avec un sentiment de satisfaction. Oh oui, bien sûr, et nous fiers de Naomi Osaka, nous fiers que li c'est haïtien et nous fiers que jodi an li vini et visiter nous en Haïti. Il y a un agenda qui vraiment changé, il y a là dans ministère là avec nous le 8 pour lancement et Maval écoute la participer avec nous lancement ça. Donc c'est-à-dire que Naomi li là en tant que haïtien avant tout avant que li c'est un champion, avant que li c'est li gagne d'autres qui mélanger, lycée américaine, lycée japonaise, mais avant tout, je dis en lila en tant que haïtien et c'est fierté nous tous comme haïtiens et moi-même particulièrement en tant que ministre des haïtiens vivant à l'étranger. Pour nous terminer, donc ministère des haïtiens vivant à l'étranger a continué à chercher tout haïtien qui a fait sport partout dans le monde. Ah oui, avec ministre sport, là, pas seulement haïtien qui a fait sport, tout haïtien, nous voulons être communiqué avec tout haïtien qui a vivre dans un autre pays, quel que soit à côté de vivre là.